Non, ça qui a passé à Haïti, en vérité, la communauté internationale a droit de li tremper, joue dans zo la dalle. Après, Madame Alim a décidé de fédérer ou bien mettre ensemble plusieurs groupes gang sous nos G9 en famille alliée. Kounia, c'est tout par quoi groupe à OEA. Rete là, m'bra le bon détail, puisque situation plus compliquée en Haïti, nan moment n'a pas à la pays a sous tension, moun ap tombe, moun ap mouri, bagay yo grave. Nan mi tan tout mauvais nouvel sa yo, finalement, gon ti lueur d'espoir, finalement, gon bonne nouvelle. Nan question, gestion ti reste l'argent pays ya. M'bra le bon détail sa yo, ak en pile l'autre toujours, nan yon ti moment. Ariel Henry son ti reste avec son ti jobé yon ti joul ambassade. C'est gros déclaration ça historien Michel Soukan fait nan émission li t'a participé. Ou ap gen chance pour joindre tout détail yo, toute information yo, rete connecté. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avec vous pour m'porter pour émission parlant mon éditorial avec Yannick. S'il est vrai que dans moment là Haïti en crise, s'il est vrai que gain stabilité politique, eh bien je voulais attirer attention nous puisque jodi en là on nouvel mode de vie en Haïti, c'est ça nous carré survivalisme. C'est comme si chaque haïtien nous apaiser non seulement n'a essayer vivre au jour le jour, mais n'a préparé nous chaque jour plus pour nous faire face avec quantité hostilité qui gain en Haïti yo, pour nous faire face avec quantité belligérant qui gain en Haïti yo. Chaque jour n'a essayé accommoder nous avec situation, chaque jour n'a essayé prendre forme vase là, n'a essayé vivre, n'a essayé sortir tête nous en bas de le senti ça que autorité yo imposé nous pour nous rester là dedans, en bas de le senti ça que communauté internationale imposer nous mettre pied sous nous pour nous rester là dans là. Donc je dis là chaque grain haïtien veut qui le l'ennui t'a tombé, qui est la brain a tombé, qui les bajou a cassé pour yo continuer vivre au jour le jour. Donc situation extrêmement compliquée là, nous gagne dans quoi des bouquets gang 400 maozo qui continue à opérer malgré effort qui gagne pas bon côté la police, malgré effort policier a fait pour repousser gang 400 maozo pour repousser éviter l'homme, mais ça pas changé en rien puisque situation toujours été même bagaille, situation toujours été au même, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Nous pral regarder, nous pral faire le tour des informations, n'a ba ou l'essentiel, n'a pe do comprendre actualité, j'en nous toujours faire chaque jour. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Si nous considérons la dernière carrette l'année, Haïti a vive une pi grave catastrophe humanitaire dans moment n'a parlé à là. Nous ka constater, c'est pas en question et du fait de la nature, du fait de Dieu, c'est pas en question et par exemple son tremblement de terre qui frappe paysan ou bien son cyclone qui frappe paysan, son région qui affecté, son zone qui affecté là, son crise humanitaire qui affecté tout paysan. Son catastrophe naturelle qui affecté tout au pays. Mais qu'on y a des catastrophes humanitaires, ça, des désastres humanitaires, ça, n'a comprend et n'a d'accord avec son héritage. Son héritage d'une classe politique corrompue, son héritage d'une classe politique incapable, son héritage d'une classe politique, un paquet de politiciens sans colonne vertébrale, qui préférait allier avec bandits, qui préférait armer les quartiers populaires, qui préférait nourrir gang, nourrir bandits et consolider gang dedans pays. Mais tout, derrière responsabilité classe politique la gagne, n'a pas admettre avec yon l'autre fois tout. Communauté internationale la gagne doit être li trempé jout nan zo nan crise humanitaire que Haïti connaît jodi an la. C'est même communauté internationale ça qui fait la sourde oreille, qui entêté, qui a montré arrogance, qui a montré c'est eux-mêmes qui gagne formule magique là, qui a montré c'est eux-mêmes qui gagne seul moyen, seule possibilité pour retirer Haïti côté lié là, yo ont refus systématique par rapport avec toute solution haïtienne. C'est dans des communautés internationales a dit faut qu'haïtiens chita ensemble. C'est en
dans des corps binu a dit problème haïtien solution haïtienne c'est manigat c'est bluff pour qui ça communauté internationale là toujours a supporté politiciens corrompus c'est grande question c'est question à $1 million là pour qui ça jodi ya peuple haïtien dans la rue n'a demandé départ Ariel Henry peuple haïtien dans la rue constat fait que non Ariel cité dans assassinat Jovenel Moïse constat fait que Ariel Henry avec tout gouvernement là sont bon incapable communauté internationale là corps groupe département d'état toute ambassade qui fait partie de corps groupe yo a supporté Ariel Henry gon bagay qui pas marché d'ailleurs désastre humanitaire ça après madame la lime t'es décidé fédérer G9 famille alliée mettez ensemble plusieurs groupes gang dans différentes régions dans capitale pays yo. C'est même madame la lime ça qui te dit après les te fin fédérer G9 li te sorti un communiqué dans binu pour dire depuis les G9 fédérés niveau criminalité a baissé en Haïti violence de gang n'a baissé en Haïti c'est eux même qui te dit leur te fin faire Jovenel Fell c'est eux même qui te dit leur te fin faire CNDD en prend décision jodi en là faut même madame la lune même corps groupe même binu faut que accepte échec yo dans ça qui gain pour avec désastre humanitaire ça et bien qui ça crive là dans moment n'a parlé nous songe depuis 2 semaines de cela, gagné nèg G9 yo qui dit yo même yo prend terminal va barbecue sous conférence de presse point de presse barbecue lagué l'abdou yo contrôle terminal vareux gaz pas sorti d'auteur yel pas démissionner gaz pas sorti d'auteur yel pas quitter pouvoir c'est bataille peuple qu'a fait c'est bataille pour libérer pays qu'a fait. Nous connaissons déjà, moi-même, faut me poser question, il faut me poser bonne question pour nous comprendre. Si son bataille pour libérer le pays qu'a fait, comment faire ces petites madame Sarah, petites soyettes, petites moun qui vulnérables, c'est eux-mêmes qui touchent, qui principal victime de bataille pour libérer le pays. Mais attendez, gaz pas qu'à sortir dans le terminal vareux, pour une catégorie moun ou bien pour tout le monde? C'est la grande question. Digicel continue à fonctionner très bien. Natcom a fonctionné. Ou bon paquet l'autre compagnie internet de la République qui a fonctionné. Entre temps, secteur, bon groupe nèg de secteur privé a fonctionné, oui. Mais l'hôpital l'État a fermé pour gaz. L'hôpital général fermé pour gaz. La paix fermé pour gaz. Gon paquet l'autre l'hôpital là. Médecins sans frontières fermé pour gaz. Bernard Mel fermé pour gaz. Gon paquet l'autre l'hôpital qui fermé pour gaz. On paquet l'autre entreprise, moun qui nan classe moyenne fermé pour gaz. Alors que gon paquet ou paquet l'autre nèg dans secteur privé. Nèg n'a considéré comme oligarque corrompu. Même l'autre de ces 3 jours dans semaine, business yon fonctionne. Banque l'ouvri. Gon paquet l'autre bagay qui ouvri en dedans pays. Yon fonctionne au jeune gaz fonctionner côté gaz ça sorti là moment arrivé pour nous comprendre et grand ti moun nou nous va égarer entre temps c'est peuple là qui toujours victime ya c'est masse peuple là c'est petite soyette yo petite madame Sarah yo moun laisser pour compte yo c'est eux même qui toujours victime c'est eux même qui a souffri nous gagnons corps groupe nous gagnons OEA nous gagnons différents ambassadeurs là qui postent qui fait des tweets pour yo mander yon trêve humanitaire pour yo mander G9 pour yo mander barbecue qui occupe terminal vareur qui bloque terminal vareur pour libérer terminal vareur pour permettre à ce que gaz en ka sorti dans moment là Haïti nous connons moment tête chargé moment difficile gè ka choléra ka augmenter pressé faut gon trêve qui baille là faut qu'on commence poser des questions pour connait est-ce que Haïti en guerre. Le a parlé de trêve humanitaire, dans qui circonstance qui trêve humanitaire, qui sa trêve humanitaire là? Donc là, on déjà comprendre que nèg yo pas vle di nou honnêtement, communauté internationale pas vle di nou honnêtement, mais yo konnen nan tête yo Haïti en guerre, yo konnen là c'est non guerre civile nouye. Jean petit peuple a tombé, a yo conscience c'est non guerre civile nouye, mais malgré ça, yo pas jamais fait rien. M'pral vin sou ambassadeur canadien oui? Parce que pays d'Haïti, si peuple haïtien gen l'argent nan mais Canada pour équiper police nationale d'Haïti jusqu'à présent pas mon matériel qui j'en matériel là jusqu'à présent PNH pour que j'en cave matériel yo et yo conscient que Haïti en guerre yo conscient jodi an là gen un paquet belligérant gen un paquet bandi k'ap saccager petit peuple là yo parle de trêve humanitaire d'ailleurs trêve humanitaire là son concept en droit international
Côté que belligérant yo, chef de guerre yo et bandi yo, criminel yo qui a imposé la loi yo, pendant un petit temps tout coûte, yo font poser sous bataille là, yo font poser sous guerre là, sous invasion en fait, pour permettre à ce que soit l'état ou bien des ONG pour yo vinn porter renfort, pour yo vinn porter soutien bay population civile là qui affecté. C'est ça très humanitaire là. Jodi an là, le n'a gardé même corps groupe. Yo mette sous table yon concept de droit international pour yon parler de trêve humanitaire. Alors que c'est même communauté internationale ça qui te bay madame la lim pouvoir en Haïti pour fédérer gang, pour fédérer bandi. Et je dis à la, c'est même bandi ça yon qui prend contrôle terminal Vareur. Faut que nous posons tête nos questions pour nous demander qui sa communauté internationale en voulait faire avec Haïti tout bon. Qui plan yon gagne pour Haïti? Et kounya yo konnen gen trêve humanitaire qui existe dans le droit international, c'est kounya yo konnen gen population civile en Haïti qui en danger, c'est kounya yo konnen Haïti gen guerre là-dedans alors que toutes conditions yo réuni et c'est yo réuni toutes conditions yo. C'est yo réuni conditions yo. C'est pas population qui désarme, a nous créé une condition, c'est communauté internationale parce que c'est là qu'aux États-Unis, ça m'a sorti tant coup. C'est États-Unis ça m'a sorti rentre en Haïti. C'est yo qui fait douane nous retourner pas, soit yo fait port nous retourner pas, soit pour venir alimenter insécurité, pour venir alimenter violence en Haïti. Nous gain Sébastien Carrier. Qui ça le dit? Li dou les ambassades et puis slash République d'Haïti, yo parle de Allemagne, yo parle de Brésil, Canada et puis gen Portugal, gen États-Unis, gros paquet de pays différents drapeaux ça nous là, c'est drapeau qui constituait corps groupe là. Et puis yo mette OEA. Sont hautement préoccupés par le blocage du terminal Vareux ainsi que son impact humanitaire, notamment la résurgence du choléra et appelle à une trêve humanitaire immédiate pour permettre la sortie du carburant pour besoin urgent. Et même tout ça, nous gagnons ambassadeur français Fabrice Moriès, nous gagnons OEA qui reprend nous. Là, non seulement nous sommes conscients que nous avons une situation de désastre humanitaire, nous avons mouru grand goût, nous avons mouru maladie, nous avons mouru parce que nous n'avons pas joindre soin à l'hôpital, c'est des choses qui sont graves. Non seulement nous avons fait face avec une crise humanitaire, mais tout, je dis en là, parler de crise humanitaire, parler de trêve humanitaire, c'est d'où dit qu'on guerre qui en dedans pays, y'a qu'on guerre qui a miné Haïti, qu'on guerre qui a prolongé petit peuple. Et c'est ça que fait, dans le commencement de l'émission, moi d'où Haïtien passé dans l'autre mode de vie. Je dis alors, parler de Haïtien, il faut que les Haïtiens soient survivalistes. Oh oui, n'a bataille chaque jour, n'a bataille chaque jour. Je dis alors, on moun qui gagne des gouttes, pas manger l'on seul jour, non? On moun ki achète un petit chache pain qui gen 5 la dan. Même les kalate gen 5 moun. Yo pa bay chaque moun on grain pain non? Oh, c'est 2 pain oui, 3 pain. 3 pain pour 5 moun et puis yo serre reste 2 à pour pita bien pour demain matin encore. Pa yé pa question, n'a manger vay ke vay, n'a dépenser pour nous manger. Nous obligé prudent. Nous pa konn ki les pays a fermé net sous nous parce que principe la mode de l'année lancé, d'autant Ariel Henry pa quitté pouvoir, d'autant Ariel Henry pa rassemblé petit paquet li. Allez, pa gen rien ka fait. Et peut-être Ariel Henry c'était intelligent. Li te ka au moins montrer peuple haïtien le bonne volonté. Comme c'est question gaz qui déclenche tout bagay ça, au moins yon ta dit bon, bon gade ki sa ka fait, bon m retourne sous décision, bon m remette subvention, même le pas total, mais bon m mette de manière partielle, bon m quitte pri gaz en jante avant. Oh oh, Ariel Kopé tek tegedek qui pa jamb pre aucune décision. Et puis l'iré te ap gade peuple la tout, tek tegedek comme si peuple haïtien se pa rien a fait dans la rue là, nous pouvons voir un message clair bali, nous pouvons voir un message direct bali. Et c'est là pour comprendre le historien Michel Soukor lui fait connait que Ariel Henry son petit resta avec son petit job c'est tout l'ambassade l'a fait. Ariel Henry pas qu'à démissionner si c'est pas l'autre job Ariel Henry pour le démissionner, ça bon part de vérité là-dedans. Avant de rentrer dans le dossier Michel Soukor là, moi dou bon bonne nouvelle dans mitan toute mauvaise nouvelle ça. C'est qui ça bonne nouvelle là? Nous connaît lundi 3 octobre là, c'est à supposer non seulement rentrer des classes, mais également tout rentrer année judiciaire. Côté tout tribunal, tu as recommencer à fonctionner. Toute activité judiciaire, tu as reprendre. En Haïti, bon, fait un rappel ça pour vous, ou même qui ne connaissez pas tout, connaissez tout. En Haïti, nous gagnons 2 ordres de juridiction. Nous gagnons juridiction judiciaire, ça qui gagne tribunal de paix, première instance, cour d'appel, et puis nous gagnons cour de cassation qui charpente tout, qui en l'est net. Et puis nous gagnons ordre administratif lui-même, qui gagne cour des comptes là-dedans.
Ça nous relève CSCCA. Maintenant, qui est le CSCCA? Il est là pour contrôler toutes dépenses que l'État fait. Il est là pour contrôler comment l'argent l'État a dépensé, comment ordonnateur public, comptable public a géré l'argent l'État. Et puis à la fin, il y a une catégorie moun pour le bail des charges. Mais tout, coup de consortant de son tribunal administratif qui là pour gérer conflit administratif. Tout dépend de qui catégorie moun qui face avec conflit ça. Ça son chapitre, son parenthèse qui bien défini, ça son non l'autre émission bay juridique bay droit pour nous ta faire li. Mais je dis à la n'a pas les politiques, nous pas faire droit. Et bien qui ça qui rive, tribunal administratif ça li ouvert. Non, réouverture année judiciaire là, gen CSCCA qui yo même yo décidé reprendre travail. Yo pas dans logique si Ariel pas aller. Yo pas travail si Ariel pas aller, tribunal va reprendre activité ou pas reprendre. Eh bien, dans réouverture année judiciaire là, cour des comptes refonctionner normalement. Yo vin avec un nouveau bureau là et c'est à féliciter. Le pourquoi? Parce que 1er octobre qui se passe là, son nouvel exercice fiscal qui commence. Et d'ailleurs, si bon nouvel exercice fiscal qui commence, déjà, Ariel avec tout pouvoir là, yo pral continuer à dépenser l'argent, yo pral continuer à gagoter l'argent, et ça qui arrive, yo gagoter plus l'argent. Faut qu'il y ait un groupe moun qui a contrôlé les dépenses, faut qu'on ait un groupe moun qui yo même yo là, yo campé en garde fou, qui a contrôlé qui ça qui a passé dans la finance publique là. Donc, c'est rôle CSCCA, c'est rôle cour des comptes. Donc, nous disons gros bravo, nous disons merci parce que petit coulier, n'importe quoi ça est, yo même yo décidé assumer responsabilité yo pour yo recommencer à fonctionner normalement. Eh bien là, m'bral quitte nous avec Michel Soukor. Michel Soukor qui baille Ariel Henry tout non nous connaît. Il dit reste avec petit Jobert, petit Joul et souffleur chou sou sou. Non connaît. Nous connaît Michel Soukor, il pas jamais kembe mol, il pas jamais marcher mol. Ça l'a dit, il dit le cru. Dans moment là peuple haïtien pays a connu une situation qui extrêmement compliquée, qui extrêmement difficile et c'est responsabilité nèg sa qui dans pouvoir l'État. Et c'est responsabilité, c'est faute, c'est sous conscience, pays a connu crise humanitaire grave ça dans moment. En entendant avec moi Michel Soukor et on va gagner plus de détails sur ça qui a passé en Haïti dans moment là. Bon, peut-être qu'on va se faire un journal parce que matin, le matin de avant qu'on se voit avec vous, on parle de notre palais. Des fois la vie fait bien les choses. C'est parce que il y a maintenant près de 30 ans de ça, les conseils d'émission que j'ai fait à l'époque sur Radio Signal FM et au haut des conditions de rétablissement. Et quand on tapait déjà, coup d'État, quand on tapait à ici, concitoyens, en garde, le fait que l'économie mondiale a changé. Et naturellement, l'économie mondiale, là, ça m'a demandé pour que dans des pays, des dirigeants qui comprennent ça. Et depuis à l'époque, on a dit à l'Italie, il y a trois bagages fondamentales pour nous comprendre que nouvelle économie mondiale, là, ça, à l'époque, les nouvelles internationales, là, elles demandaient. Ils demandaient, premièrement, pour gagner des infrastructures performantes, ils demandaient, deuxièmement, pour gagner une éducation, un nouveau système d'éducation. Qui pour permettre de comprendre que soit l'économie en fait dans le temps. Et pour ça, tout troisièmement, il y a un secteur privé qui est autonome. Ça veut dire un secteur privé dynamique qui peut comprendre ce qu'il a besoin. Si jamais le gouvernement pourrait mener tourner là, à savoir le gouvernement là, à la salle, dans le cadre de sa l'exploration de la démocratie, pas comprendre qu'il faut nous sortir du populisme archaïque et barbare. Si ça ou les élites haïtiennes ne comprennent pas nous sortir de ça ou l'économie de droite, pour nous être dans une véritable modernisation, eh bien, nous pouvons payer conséquences très chères. Le Conseil international, là, le SA lui-même, gagne un premier choix. Le premier choix, c'est que l'Union nous compte que nous ne comprenons pas et que nous comprenons nous avons toujours continué même genre. Donc, à ce moment-là, Haïti peut le tourner. Ça est capable de brûler un couloir pour la cocaïne, parce que la cocaïne est importante pour eux, parce que les alimentaires sont à eux pour des opérations inavouables. Deuxièmement, nous pouvons tourner tout un dépôt pour toutes sortes de déchets, des déchets toxiques, parce que non, en pire, c'est un couloir qui est en caille. Il y a côté faire manger, il y a côté manger, il y a côté tout recevoir le monde, il y a côté tout à laguer des déchets manger. C'est la trine là. Et là, ça ne va pas jouer au rôle de la trine là.
Et puis, troisièmement, tout, on pourrait le tourner une province commerciale dominicaine. Et nous avons commencé, si vous voulez ouvrir ça, lorsque déjà, dans le cadre de son appuyé, on pourrait le gagner du monde qui pourrait commencer dans la période de l'État, faire atelier ou tourner des dépôts de manger dominicain. Bien sûr, les dirigeants haïtiens n'ont rien compris des nouveaux enjeux, les élites haïtiennes en général et tout. Je te comprends, nous sommes quatre continents du même genre, et je n'ai aujourd'hui à payer un tourner, sale tourner. Toute nouvelle, sans stress. Et maintenant, on a l'autre conséquence, tout. C'est que, inévitablement, l'international n'a rien ni compte que c'est un pays, bon, définitivement, en termes de partenariat, en termes de collaborateurs, disons, n'y voit pas haut du tout. Donc, à ce moment-là, il servit avec, il choisit de servir, donc, avec sa joigne. Et puis, bon, il est confortable. Non, le plan, ça veut dire qu'un pays qui fait un couloir à coupe, un pays qui sont en latrine, un pays qui fait une province commerciale dominicaine. Les services à qualité, moi, dirigeant à eux. Et je dis à chaque fois, c'est que, bon, vos dirigeants à eux qui fait définitivement que nous sommes un pays qui n'a pas produit rien. C'est importer quoi, importer. C'est pas que l'importation dans tous les pays n'a pas existé. Oui, il existe. Des gros pays, bon, nous sommes capables de faire. Et à l'époque, nous sommes déjà, dit que, par exemple, lorsque nous avons une enquête en Floride, par exemple, ou bien New York, quel que soit, dans le département fruits et légumes, qui sont, eh bien, oui, on peut être que les légumes qui sont du Costa Rica, Jamaïque, République Dominicaine, Haïti qui sont, oui, bon, bon, tellement. Alors que nous sommes pays qui n'ont pas fait de bagaille. Et maintenant, étant donné que c'était le mauvais choix que nous fait, et bien, international, là, confortable, là, nous même tout, pas aucun problème. Et puis, au mon résultat, c'est que, ou pas même les dirigeants, quoi. Ou pas même les dirigeants. Alors qu'il est, le Mabgadé, préparé dans la rue, Katmandé, Ariel Henry, pour démissionner. Marie-La, il va y pouvoir ça. Ce n'est qu'un jobber. Ça veut dire que son monde qui est international là, nous dit le chita là, pas fait de changer que son tweet, simplement de Madame Laline, qui est véritable président de PIA, qui dit, tu vas quitter toutes ces là, qui est tout journal de PIA en attendant, et puis, ben, je sais. Et puis, Nadou, après ça, n'a pas mort. Les membres de mon app dit que sur les réseaux sociaux, le gouvernement américain, ben, a eu 7 jours, pour les résoudre problème là, il n'y a pas ça, la pobige, etc. Non, il n'y a pas rien. Le gouvernement américain n'a pas gagné pour le dire, bah, comme ça, parce qu'on n'a pas gagné dirigeant haïtien. C'est fini. C'est fini. Son pays qui perd du souveraineté, son pays, à un certain moment, où à côté, la République dominicaine, il est venu aujourd'hui à la. Joue depuis 50 ans, 40 ans, en bande de contrats qui ont été offerts à Haïti, que nos dirigeants de l'époque n'ont pas su saisir, parce que chaque politicien prend des 10%, 15%, 20% pour eux. Il y a l'offre, M. Balaguer, à l'époque, qui était président de la République dominicaine, là, dans les années, fin années 60, déjà. Et puis, il a mis son pays sur le chemin côté, côté avec le niveau là. Le problème que nous gagnons, nous-mêmes, son tas historique, on dirait son bagage, par contre, qui n'en gêne, non? Depuis les années 1954, même un peu avant, lorsque les écrits de M. Bonnet, qui a adressé à Pétion, il était dit qu'on n'a pas continuer à diriger un pays comme ça. Ou capable, un homme d'État, ou capable, mais ou pas qu'à continuer à contrôler un petit politicien démagogue, faut qu'on baille pays, il faut qu'on baille en route. C'est ça le rôle d'un homme d'État. Et ce qui est arrivé, c'est que nous pas fait ça. En 1844, premier intellectuel, même pas un haïtien qui était dans son coin avec l'Ismabano, c'était le pasteur Bird, qui était écrit un livre où il était fait bilan déjà de nos premières 40 années d'existence en tant que pays. Mais depuis le pasteur Bird jusqu'à mon madame Paléala, plein de monde, économistes, historiens, littérateur, homme de théâtre, homme de science, etc., qui va chambouquer dans la vêtement. Mais le problème qu'il y a,
c'est que nous plus contentés, nous plus contentés au jeu World sous-fifre. Certainement, international, la guerre politique, oui. Oh oui, très certainement. Très certainement, c'est lui-même qui concevoit l'ordre de l'économie mondiale. Mais comment se fait-il, pendant que le concevoit, pendant que Boissy a la l'aise pour joindre des mondes d'accord pour jouer des World sous-fifre, mais dans l'autre pays, l'oblige de négocier avec des mondes qui disent. Nous comprenons ça, vous voulez, hein, même besoin que le pays joue le PAM, jouons nos bagages à la donne. Ici, au niveau haïtien, pour la plupart du temps, nous avons toujours eu des petits courtiers, depuis au juin, des petits peu de païwa, ils s'en foutent. Ils foutent de reste pays. Le pays a une constitution contre pour eux, et puis vous voyez, caillou, c'est en Europe, après ça, qu'on est à la, c'est la Floride, mais qu'on est à la République dominicaine. Et puis, quand il y a là, on vient arriver dans un point, côté, finalement, l'international là se dit, mon cher, ça m'a espéré, j'en ai Haïti, j'en ai même plus que ça. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Parce que moi, je joins des mondes, qui soit disant du public politique, de l'élite économique et des financières, on dirait qu'il n'y a pas de problème pour que le pays soit là, qu'il n'y a pas de problème qu'ils sont là, qu'il n'y a pas de problème qu'ils sont province commerciale dominicaine. Eh bien, dans ce cas-là, tant pis. Nous-mêmes, quand par rapport là, on le, on signe ambassadeur américain. Qui dit, moi, par là. Et pas longtemps, non? Bah, qui a peut-être 15 ans. Il a dit, bon, ça passé, j'aime mon pays, ça est là, bon, définitivement. Il n'y a pas besoin de faire des cultures là-dedans. Ah, il ne sait pas sous ça encore. Pas aucun gouvernement qui a pensé quoi que ce soit. Bon. N'a pas eu manger. N'a pas eu diri, n'a pas eu quoi. Pas gain aucun plan, tant qu'on pas gain plan, pas une politique de population, pas une politique d'aménagement du territoire, pas une politique énergétique, pas une politique de transport, pas une politique d'un. Hein? Donc, si c'est comme ça, si c'est comme ça, vous voulez, n'a pas accommodé le dernier. Donc, maintenant, question pour nous poser peut-être. Je veux dire que tout le monde, que pays d'Haïti, c'est un monde d'ado, son machine que Botel fait. Il n'y a pas qu'à aller plus loin, il mourit dans la rue. La grande question pour nous poser maintenant, c'est qui ça a fait? Bien sûr, international, la guerre politique, la pétition est venue au point, côté où on a obligé, on l'a demandé, il vient mettre l'autre là. C'est ça qui a joué là. Ma prépite nous encore une fois, Ariel Henry n'est rien. Nous pas même besoin d'adresser à Ariel Henry, il n'existe pas. D'ailleurs, Mkado, très honnêtement, beaucoup que je connais, qui occupe mon place de direction générale dans l'État, qui a discuté un bagage avec le secrétaire président. Là. Et puis, à la fin de discuter, et puis je me suis dit, nous avons fait le premier là. Et puis, ça me suis dit, nous ne faisons pas la main dans la lime en vent. Mais on a dit, j'ai payé là. C'est l'international, c'est un pays qui est sous tutelle. Nous n'avons pas rien qu'à décider de payer ça sans que l'international n'a pas de bénédiction. Je le répète, à qui veut l'entendre, n'a pas du temps, non, que nous n'avons pas de rester, non, à Ariel Henry, mais rien, c'est moins que rien. C'est un petit jobber qui a accepté le sale boulot. Il a exécuté pour patron. Le patron, c'est l'international. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas la donne. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas autorisation pour le faire. Comment t'as qu'à comprendre, mes amis? Sans stress. Que y'a un centre de dépôt de carburant, y'a un monsieur, quel qu'il soit, qui met tout le bagage à l'honneur, qui a décidé de bloquer, et puis il n'y a pas qu'à débloquer. Comment t'as qu'à comprendre que ça fait? Alors, vous dites, c'est les gagnants plus de graines passer tout le monde. C'est les gagnants plus de ceci passer. C'est parce que, simplement, les gagnants boivent des bananes. C'est son grain boivent des bananes. Qui a existé? Les gagnants l'autre. Comment nous t'as qu'à comprendre que, en soi-disant premier ministre, répète, les passés, un gallon gaz, 250 gouttes, à 670 gouttes, et puis le 12 CFMI.
mes amis, tout le monde qui connaît, qui a fait pétrole sur le marché mondial, je connais premièrement que le FMI toujours dit, mais qui prie pour le vendre, par exemple, pétrole là. On est assez où pour décider de la vente. Mais comme c'est chef qui décide, il nous a pris tard. Et tout le monde connaît, tout le monde qui est sur le marché pétrole là, connaît. Que vous vendez pétrole, on paquet de côté dans le monde. Deuxièmement, que les prix varient malgré la crise en Ukraine. Et tout le monde connaît qu'en Haïti, comme tant d'autres secteurs, son secteur qui est livré aux raquettes. Il ne peut pas échapper tout le bagage à eux. Et n'importe qui spécialiste dans ce domaine, ça a dit qu'un prix qui a vendu sur le marché mondial à différents côtés, a pris au vrai 20 noix là, eh bien, il y a une marge énorme côté de pile raquette qui fait combien. Mais quand tu es spécialiste, il faut expliquer ça. Maintenant, bon, c'est véritablement dans nos situations côté, je t'ai souhaité que Haïtien réussisse comprendre que il y a deux bagages qui fait pays. Si nous voulons faire pays tout bon. Parce que moi, jusqu'à présent, malgré toute pile, parler n'a pas parlé, battre l'estomac de 1804, etc. De 1804 à nos jours, il y a très peu de monde qui est arrivé dans ce pays, soit comme ministre, soit comme président, qui comprennent ça, le pays. Bien, le savoir, d'abord, et la voix. Ou pas faire pays comme ça. Et ceci, excusez-moi, c'est un monsieur qui était bien compris, qui n'a pas aucun diplôme, ni licence, ni maîtrise, ni doctorat. Monsieur ça a atterri tous à l'ouverture, il est fait pour le retourner, pour le repartir économique, tout à l'université comprenne très bien. Au moins, on te met chita, on te met gagné, on paquet là, mais on paquet force, non, mais on. Ou qu'a fait tout bagarre avec un baïonnette, mais pas qu'à chita sous lit. Pour bâtir un pays, il faut gagner le savoir, et savoir que l'on a le besoin, parce que il faut gagner connaissance pour une économie marché. Et deuxièmement, il faut besoin l'argent tout, parce que l'argent, c'est un gazoline qui est lié à l'économie moteur. Nous pas qu'à continuer à primer l'ignorance. La corruption, le nous comprenne, et puis nous comprenne nous qu'a fait pays. C'est pas vrai. Et c'est soit ça que nous toujours fait, et que nous avons payé là, particulièrement pendant ces 60 dernières années. C'est ça que je dis. Pas les prophètes, non, là-dedans. La, l'histoire est une science humaine. Il y a des lois là-dedans. L'économie politique sont sciences humaines qui sont liées. Il y a des lois là-dedans. Ou violer loi, ou pas respecter loi, ou payer le chèque. Tôt ou tard. Alors j'espère que nous n'avons pas besoin que les Blancs débarquent là, parce que je regrette ça pour nous. Paris va au moment donné. Qu'est-ce que nous avons fait des sémantiques, qu'est-ce que les forces d'intervention, les forces d'évasion, on est après là, parce que nous prenons côté, parce qu'il y a profité de bêtises, vous menez là. Nous parlons côté pour des situations totalement incontrôlables sur tous les points du territoire. Haïti a tous nos cancers qui ont fait un métastase. Nous parlons côté, vrai ou pas vrai, pour algum bagage du point de vue international, pas obligé. Bon, à ce moment-là, je supposais peut-être que pays a besoin de monde qui est capable, chita, qui peut dire, bon, écoutez, les filles comprennent tout ça, ça fait une là, parce que ça, c'est une qui va prendre. C'est pas un fait que c'est étranger seulement qui est responsable. Nous-mêmes, tout, nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Même si que l'ISTE, premier responsable, c'est les concevoir le mondial, là, d'accord. Mais, ou t'es qu'à ou même, mettre quoi on joue, pour ces paroles-là, pour faire. Pour ces paroles-là, passer cocaïne, pour faire. Pour ces paroles, les provinces commerciales dominicaines, en fait. Parce que la République dominicaine, il a mangé, pour ces paroles, il a joué.
Costa Rica, tu pays tant qu'on arrange pour ces paroles, ça a que joué. Je ne vais pas prendre le cas de Cuba. Maintenant, nous-mêmes, mes amis, il faut que nous capables de répéter, comprendre que l'ignorance, la corruption et la violence, eh bien, surtout les deux premiers, parce que des fois, la violence qu'on fait l'histoire marcher, les deux premiers, surtout, ils n'ont pas qu'à faire pays. Et maintenant, nous avons pensé spécial justement pour tout le monde, tout jeune, qui part à l'école, pour toutes les gens que nous connaissons. Je dis aux grandes bagailles, nous avons un livre là qui est nous, nous avons un cahier de voir, revoir ça dès qu'on est déjà, à jamais suspendre qu'un lien avec le savoir. Parce que c'est à grande bagaille que nous pourrons aller, les nous mourir, c'est à grande bagaille que yo pas qu'à retirer dans main nous, c'est grande bagaille qui peut permettre de faire vivre. Qu'un bel livre nous pour repasser maintenant, lire tout ça nous capables, même si l'école pas ouverte, mais l'école la vie a son gros école livre, les livres existent, est attaché à eux. Même si il aime des petits mondes, on les dit à lui fermer l'école pendant 3 mois, carrément. 3 mois, j'ai fermé l'école pendant 3 mois. Eh bien, ça qui fait, pas de internet à l'époque. Pas de même lignes, parce que ça n'a pas eu. Mais tout le côté de la famille, moi et elle, mon qui était à l'école, eh bien, en fait, si nous étudions, en fait, si nous avons contact avec le savoir, de manière à ce que nous sommes capables de continuer à faire chez nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mourir devant nous. Il faut que c'est nous qui pour faire, qui pour faire avenir nous, qui pour faire avenir pays nous. Divorçons de l'ignorance. Divorçons le plus possible de la corruption. Ouais, c'est ça que je dis très rapidement, je ne le dis à la. Moi, attendez où, ou remarquez que je ne suis pas élaboré, parce que je pense qu'il n'y a pas de questions que tu as posées. Ou bah élément de réponse yo m'a pensé ils font synthétisation rapide pour moi si bien comprendre route n'a prend là son route l'a mené inévitablement vers en intervention étrangère intervention militaire étrangère et j'ai appris là son question de sémantique et ça j'en n'a pas là c'est là n'a privé et là moi à côté de la colère moi gain des bail y a fait pour mettre la rage à la colère ce qui ca précipiter un petit peu plus et vers ça sur si fond d'aggravation donc crise humanitaire là faut déjà mon dans bon grand goût mon vienne pi pauvre et faut mettre ça dans basket là maintenant si bien comprendre on ne peut rien attendre de monsieur Henry on ne peut rien attendre de son cabinet on ne peut rien attendre des petits artifices, des petits accords pour perpétuer le même. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai oumblé, une vraie transformation, émergence, un vrai leadership national éclairé, progressiste, patriotique. Et professeur Sokar. Écoute, Robinson, M. Ariel Henry connaît très bien. Kemba Bay m'a dit. Il ne connaît pas rien. Il ne faut pas prendre téléphone pour lui dire madame Lali, mais ce qu'elle a. Donc il n'est rien du tout. Il n'y a absolument rien à l'UN. Que mon appel m'a répété, le Américain dit, M. Henry, s'il pas fait ceci. M. Henry, pas tout le monde. Si l'Américain veut se débarrasser de M. Henry, il a plus facile, tant qu'on m'a mal écrit, il a été. Même j'ai écrit, il a été facile tout. Vous n'avez pas besoin de gomme ni chier, il n'est rien. Il ne sera jamais rien. Donc, pas petit tonne, par la M. Henry, par la chef, par la patronne, par la monde qui a le job. Papa la Jobert. Le pouvoir de nomination et le pouvoir de révocation. Point final. Par la madame la ligne, par l'ambassade américaine, par les directement à eux. Pour dire qui ça, par exemple. Pour dire qui ça. Suspendre craser bien haïtien. Suspendre faire haïtien perdre du travail. Maintenant, tu as posé la question. Pour leur dire quoi? Oui. Il faut d'abord leur dire que nous pouvons nous mettre entre nous. Ariel n'a pas rien du tout. On ne parle pas. Qui sont vrais, qui peuvent mener nous. Toutes les gangs qui créent le pays, avec toutes les âmes que tu as sorties. Pour qui ça? À quelle fin? Tout le monde dans le quartier populaire, Kadour, de Charles-France, que depuis de longues années,
c'est des individus bizarres qui ont distribué des armes dans tout le quartier populaire. Depuis longtemps. Moi, personnellement, depuis 2009, je connais que dans la ravine, dans la nuit à 1h30 du matin, il y a des gens dans gros machines suburbaines qui montent en roue à distribuer des armes. Depuis 2009. Donc, une opération qui a planifié le pays ça depuis longtemps, parce que c'est Haïti que M. Hippolyte bâtit tout. Cette idée économique bâtie, bien sûr, j'étais là parce que, bon, je n'ai pas pouvoir avec l'aide internationale. Mais des fois, nous mettons mon époque, comme tu parles, bah, ici, et puis le film, donc, c'est même tête, elle a continué. On dit, bon, de toute façon, à ce moment-là, Haïti, ça a été tout pour nous détruire. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on fait depuis 30 ans. Je commençais par laminer masse populaire, avec cette politique néolibérale, qui envahit marché haïtien, avec du riz, avec poids, etc. Ça vient créer chômage en masse dans le milieu populaire, dans le milieu paysan. Ça vient créer exode rural massif, là, ces villes populaires. Cet effondrement de la goutte. Et depuis le peuple n'a pas qu'à vivre, parce que moi, il n'a qu'à vendre service. À ce moment-là, lui-même, tout le touchait. Et puis, l'aile touchée à ça le fait. Mais Miguel, ça fait oublier. Ça le Canada, là, le bon côté, qui profitait de crise là. Voilà, masse monde, que c'est des familles haïtiennes qui font pour former. Et puis, le Canada en profite, en masse. Les États-Unis en profitent, en masse. C'est pas de jambes de dépenser 50. Maintenant, qui est-ce qui a planiné, qui est-ce qui a détruit? C'est le secteur privé haïtien. Vous remarquez depuis quelque temps, le discours, le comportement, c'est de détruire les entreprises haïtiennes. Toutes les entreprises haïtiennes, banques comprises, industries, toute qualité bagaille. C'est de manière à ce que, je ne suis pas capable de couvrir, et je ne sais pas trop loin, et qu'on complètement à genoux, ou pas qu'on oppose aucune capacité de résistance, et qu'après l'an moué, je viens de délivrer en bas du jour à apprendre. Eh bien, ils arrivent à leurs conditions et ils imposent ce qu'ils veulent, sans aucun problème. Ok. Maintenant, on attend que gagnent des gens sous échiquier politique là, dans tous les bords, on dit comme ça. Et pour le vrai patron, pour me répéter l'élément de langage, les Américains, ce sont des gens qui sont hors jeu. Et certains là-dedans, eux, ils sont signataires d'accord. On nous dit comme ça, ou sont part d'accord, ou sont partis de certains accords. Si vous comprenez bien, il faut payer arriver des mouns dans la politique là, des mouns dans l'élite économique là, qui est honnête, qui intègre, prend responsabilité, dit Madame Lalim, dit M. Stromayer ou bien Washington, bref, et les vraies interfaces. Et nous besoin d'une force d'interposition là pour essayer de rééquilibrer la situation par rapport à Gagnon. Et nous engageons à lutter contre la corruption. Nous nous engageons à rétablir les institutions via les élections que nous souhaitons être démocratiques. Il nous faut une assistance économique pour passer le cap de ce qu'on a vécu là. Name it. 1, 2, 3, 4. Qui ça qui t'a doué les messages essentiels à adresser à ces vrais interlocuteurs qui sont les policiers, les decision makers en Haïti, professeur Soukari? C'est ma dernière question. Malheureusement, la étape que nous y est, alors, ça, plus les jours passent, et nous devenons plus faibles, plus le dialogue va devenir difficile. Et c'est ça qu'on veut là. Parce que qu'on est entre un homme armé et un homme non armé, en vérité, il n'y a pas de dialogue. Ça veut dire, d'autres termes, l'on est armé, l'absimonté, ouais, ou même on a une bonne volonté, qu'on fasse pour pas gagner. Donc, ils sont cherchés, j'en dis à là, ou chercher une autre force qui peut essayer de résoudre maintenant. Maintenant, pas gagner fait pour rien. Faut nous clair sur ça. Pas gagner qui fait pour rien. Première condition pour qu'on peut gagner la vie, c'est la sécurité. D'ailleurs, on a la Bible. Les Moïse, ben, je vous dis, ben, ton commandement, je vous ai demandé, peuple Israël, là, qui s'en voulait pour ben, répondre, c'est la sécurité. Maintenant, est-ce qu'on force en Haïti, je n'ai jamais dit à la, qu'on force légale que les polices nationales,
qui relè cette armée d'opérette que Jovenel fait, qui a baissé sécurité face à gang ça là, non. C'est impossible. On regarde la qualité équipement, la qualité de la mer, côté au sorti, ou bien comprendre quelle est leur mission. Donc, ce qui veut dire que même monde qui mettait une condition pour une union là, c'est même monde ça, alors pas capable encore, et qui sentit qu'on mûre pour accorder une salve là, l'avenir, pour supplier, et puis ça, il résout le problème. T'as qu'on, j'ai dit, moi là, même j'ai éteint tout. Carrément. Alors maintenant, toute l'affaire, c'est là. Est-ce que Napton, que Louis Vénon, degré, j'en ai à dire, qu'on soit tellement faible, presque inexistant, est-ce qu'on a pris situation pour dire, non, sauve Léa, qui t'a payé à joindre? Je répète la question, non, sauve Léa, qui t'a payé à joindre? Tout d'abord, qui sauve Léa? C'est évident, c'est le contrôle total de ce territoire et de ses ressources. Mais maintenant, tout le monde connaît que ce territoire et que ses ressources, pour chita pour aller exploiter, que c'est marbre, que c'est une quantité d'agnée, de ceci et de cela, il faut qu'on base légale pour ça. Parce que ce qui caractérise l'hypocrisie de cette grande puissance, c'est que quel que soit le crime qu'il y a fait, il y aurait même couvrir avec une couverture légale. Une nouvelle constitution, des codes miniers, des codes pour ceci, des codes pour cela. Qui sont à besoin nous-mêmes, la donne. Parce que c'est sacré, nous, comme dernier force. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire sans que ou pas un accord légal. Parce que l'opinion publique aussi, internationale, ou qu'à jouer sous lui. Ou gagner des instances internationales qui, là, ont cadré. Les petits États, les gouvernements faibles qui montraient aux gens pour discuter des accords. La République dominicaine qui gagne un gouvernement de la carrière et qui joue une palle là-dedans. Dominique n'est pas qu'on discute des accords miniers. C'est assez international ça qui montraient, qui ont contacté. Mais pour ça, il faut à la tête d'un pays des mondes qui soucient d'intérêt pays. Ouais, chercher. Je me rappelle déjà en 1972-73, lorsque le ministre Serge Foucan, ministre du Commerce et de l'Industrie, a attaqué la Reynolds, que Duvalier, qui t'a toléré, mais en Haïti, il n'y avait pas d'experts pour pouvoir mener la négociation avec la Reynolds. Déjà la Caraïbe, te permettre le ministre Foucan de joindre des experts n'a fait exploitation ressources naturelles, qui venir à pied pour moi, qui encadrait le ministre Foucan et qui aide le mener négociation et qui ferait notre pays sa boule de pays. Déjà, en 1973-1974, cette solidarité internationale existait. Malheureusement, je ne sais pas si tu vas aller te prendre comme la Chavelle. Mais maintenant, il faut que nous-mêmes, les jeudis à là, il faut qu'on ait qui joue ce monde là fonctionne. Même si on soit fait pétrole, soit fait énergie, il y a des mondes qui connaissent, des Haïtiens qui connaissent, qui j'ai acheté pétrole, qui j'ai pu rejoindre pétrole là puis bon marché, qui j'ai pour faire cette structure de distribution pétrole ça pour acheter là, qui j'ai pour bâtir politique énergétique en tout terme, comme si vous voulez. La bonne des Haïtiens et la bonne des mondes. Vous voulez aider Haïti, le pays international sorti dans sa lia pour aider nous mener les négociations. Il faut pour aider nous bâtir l'autre l'État et l'autre pays. Mais pour ça, pour par exemple, ni possible, ni quoi que ce soit, pas si M. Kéater avec Zamna Mel, c'est pas un problème. Le problème, non, c'est ni pas possible. Non, pas possible. Non, pas rapide. C'est le problème, là, vous. Maintenant, il faut qu'on parle de ça. Regardez ça, dit M. Salvador à faire, président Bouffé. Nous sommes maintenant dans le pays. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a le bon moyen que nous-mêmes, ici, nous ne nous limons la main. Mais écoutez, mes amis, même quand il y a des mondes supposés, c'est pour me dire ça,
même j'ai des gens qui viennent de l'Ottawa, je fais toute ma propreté qui est dans le pays. Mais il faut que j'ai des gens qui aient le courage et l'audace de l'Ottawa international. Là, comprenez ce que je veux dire. Je ne comprends pas qui est le monde comme il est. Je ne comprends pas quoi que vous voulez pratiquement, ou presque, il est là. Mais avant tout, il y a ça, il est là, c'est une histoire. C'est un monde qui a vu, c'est pas ça, il m'a vu. Faire une autre bagaille. C'est quoi? Qui ça a passé? On continue de gagner des gens. On continue de gagner cette immigration massive et sauvage. La République dominicaine continue de se danger. Alors on fait quoi? Dit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des responsabilités à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Pour nous parler international, c'est pas un monde qui peut permettre de nous parler. Parce que ça aussi masqué. Et pour le parler, et pas le parler avec des nègres, la plupart, tu vas rencontrer beaucoup plus de masques que de visages. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle épée, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.